Alors, nous prenons dans Romains, Romains 9, à partir du verset 9. Je lis l'écriture. Donc, voici en effet la parole de la promesse. Quoi c'est ça? Oui. La parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Et de plus, il en fit ainsi donc de Rebecca qui concit du seul Isaac, notre père. Amen. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Je vais insister un peu sur cette partie-là. Reviens un peu plus haut. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, n'est-ce pas? Sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Monte un peu. Qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit. Continue mon frère. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Encore. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, Amen. Ni de celui qui court, Amen. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Nous allons prier. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père éternel, pour ce matin, pour l'occasion que tu nous accordes de se mettre devant tes enfants et de prendre, ô Père éternel, ces écritures qui parlent de toi et que, Père éternel, cela, tu puisses encore nous les transmettre dans notre, pour notre pèlerinage terrestre. La Bible dit qu'il soit béni celui qui lit et qu'il soit béni celui qui écoute. Et nous t'en sommes reconnaissants, Père, pour ta présence. Parce que ta Bible dit, là où il y a deux ou trois qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Nous croyons que tu es ici pour accomplir ta parole. Parce que ce n'est pas notre parole, mais c'est ta parole. Amen. Nous te prions, Père, de nous assister en toutes choses, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir. Je vais lire encore dans Jacques, pendant que vous êtes assis. Pardon, Jude 4. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, si vous voulez. Donc, Jude, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impus qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais continuer avec ce que nous avons déjà commencé la semaine passée. Et je vous ai parlé de la prédestination. Dites amen à ça. Amen. De la prédestination. Bon, et j'avais dit, pour commencer, pour dire que la prédestination, il y a des gens qui ne croient pas à ça.
Et parce que beaucoup de gens pensent que Dieu ne peut pas faire ce que nous voulons parler, par exemple, envoyer un homme en enfer ou faire ceci, ou Dieu ne peut pas envoyer une personne passer par des épreuves difficiles et des choses comme cela. Amen. Amen. Mais Frère Madame dit que ce message ou cette prédication ici, ce n'est pas du lait écrémé. C'est vrai. Amen. Amen. Nous l'avons vu le premier jour, que ce message ici n'est pas destiné aux petits-enfants qui apprennent, n'est-ce pas? Il dit que c'est pour des adultes. C'est pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, pour ceux qui sont déjà donc dans la parole et qui peuvent comprendre certaines choses. Et nous comprenons les Écritures par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est compliqué, c'est difficile de comprendre la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous remarquerez que beaucoup tordent le sens. Ils comprennent mal. Amen. Ils interprètent mal. Or, la parole de Dieu ne peut être interprétée que par un prophète. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, moi, en tant que pasteur, je ne peux pas venir avec mes idées et vous les donner. Non. Un évangéliste ne peut pas venir avec ses pensées et donner. Non. Nous devons, Dieu ne donne sa parole qu'au prophète. C'est le prophète qui est la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et dans un âge, Dieu a toujours envoyé des prophètes. Il y en a 7 âges, j'allais lire dans Genèse, dans Apocalypse 3, vous allez voir ça. Amen. Amen. Il n'y a que 7 âges de l'Église. Et dans chaque âge, Dieu a envoyé un prophète. Dites amen à ça. Amen. Et dans cet âge-là, il faut accepter la parole, accepter la parole par qui Dieu envoie, l'homme par qui Dieu vous envoie la parole. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Noé, il a envoyé Élie, tous ces gens-là, ils venaient avec une parole. Il a envoyé Jean-Baptiste, tous ces gens-là viennent avec une parole pour un âge donné. Amen. Et quand vous êtes dans cet âge-là, vous devrez écouter l'homme que Dieu donne le mandat, c'est celui qui l'envoie. Dites amen à ça. Amen. Donc ceux qui rejettent celui-là, ils ont rejeté Dieu. Et c'est cela la chose. Et maintenant, c'est aussi ce que nous avons vu. Mais la prédestination, j'avais donné déjà au moins la définition, mais j'aimerais peut-être rappeler à. Peut-être que vous allez nous prendre juste qu'aujourd'hui, écoutez ce que Frère Madame donne comme explication de la destination. Il dit ceci au paragraphe 50 dans le message Israël et l'Église, première partie. C'est celui du 25 mars 1954, au paragraphe 52. Il dit ceci: nous avons été destinés, prédestinés. Vous savez ce que prédestiné signifie. Amen. Nous savons que nous étions prédestinés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, la destination? Il dit, voyez, signifie, il dit, la destination de toutes choses était vue à l'avance par Dieu. Amen. Était vue en avance. La prédestination, c'est quelque chose que Dieu a déjà vu en avance, avant que la chose ne commence. Amen. 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 Donc, c'est une vision des choses, n'est-ce pas? Avant que la chose arrive, Dieu le savait. C'est ça qui fait que Dieu, nous l'appelons, il est omniscient. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'il connaît toutes les choses. S'il ne connaît pas, il n'est pas Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça qui fait que Dieu connaît les choses. Et je vous ai expliqué que maintenant, comme il connaît les choses en avance, alors il savait comment les choses vont se passer et il a prédestiné, il a élu les gens. Amen. Pour qu'il puisse marcher selon la voie qui lui a été prédestinée. Nous avons dit que Dieu savait, c'est comme un argile, comme un potier qui fabrique de l'argile. Il sait par exemple que dans cette boîte ici, ou dans ce vase, je mettrai des fleurs de telle couleur, je mettrai des fleurs d'une autre couleur par exemple, ou autre chose.
Lui, il savait que c'est ce qui... Il savait dans chacun de nous, amen, quel esprit qui habitera ses corps. Vous souvenez ça, n'est-ce pas? Nous avons lu les Écritures. Cela ne veut pas dire que Dieu, maintenant, il veut... Celui-là, il va à l'enfer, celui-là, il va au ciel. Non, c'est pas cela. Dieu a seulement vu les choses et il a préparé pour que tu puisses réussir ta voie. Quand Dieu a vu que toi, tu seras, par exemple, tu seras aux États-Unis pendant que tu es au Congo, n'est-ce pas? Dieu savait que comment tu peux arriver aux États-Unis, alors Dieu a préparé ton trajet. Il a vu ce qui était sur la route, n'est-ce pas? Amen. Il savait quel obstacle tu vas rencontrer. Il savait là où tu vas échouer. Il sait qui tu vas rencontrer. C'est un matin, frère Banham le dit, notre présence ici, ce n'est pas un hasard. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Vous pouvez dire, non, j'étais de passage. N'est-ce pas comme mon frère peut-être qui vient d'arriver et dit, bon, il y a mon frère qui m'a invité. Mais pour Dieu, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Amen. Cela a été connu dès avant la quoi? La fondation du monde. Donc Dieu savait que ce matin, dans la parole tabernacle, nous allons recevoir par exemple des visiteurs. Pour nous, ça peut être étonnant, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, c'est quelque chose qu'il a déjà vu de quoi? D'avance. La photo telle que nous sommes ici est au ciel. Dès avant la fondation du monde. Si Dieu ne savait pas que ce matin nous serions à 20 à cette assemblée, alors il n'est pas Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais en tant que Dieu, il savait cela. Maintenant, comme il savait, et il voit la volonté, parce qu'il savait quel esprit qui habitera dans ton corps. Alors, il sait que cet esprit-là, répondra à la parole. Il dira amen à la parole. Alors, il vous prédestine pour arriver à votre destinée. Amen. Dites amen à ça? Amen. Frère Banham dit quelque part ici. Je ne sais pas si... Mon verset, si tu peux me trouver ça, je vais lire cela. Dans le message Être conduit, 17-12-65, à partir du paragraphe 273. Affiche-moi ça, s'il te plaît. Donc, Être conduit, c'est ça? Non. Trouve-moi, s'il te plaît. Il dit ceci parce que c'est un message où beaucoup de gens pensent que, bon, donc, si je fais ce que j'ai fait, donc Dieu voulait que je puisse faire ça, le mal ou ceci. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut dire. Je vais vous montrer, je vais vous lire dans la citation. Est-ce que vous dites à ça? Si je peux aller voler, donc Dieu a voulu que je puisse voler. Non, ce n'est pas cela. Mais Dieu savait que tu serais voleur. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voyez-vous, donc même croire la parole de Dieu, cela vous devrez être prédestiné pour recevoir ça. Amen. Amen. Accepter la parole que vous acceptez aujourd'hui, cela n'est pas donné à tout le monde. Cette même parole peut adresser à 10 personnes ou à 2 personnes. Tu vas voir que l'autre va prendre ça d'une autre manière et l'autre va prendre ça d'une autre manière, amen, d'une autre façon. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais vous allez dire, mais pourquoi la même parole, lui il a compris, l'autre n'a pas compris? C'est ça. Parce que vous étiez prédestiné à ça. C'est là où ça choque. À l'époque, après avoir prêché ce message, donc il y a des gens qui ont quitté l'église. Ils ont dit, ah, c'est comme l'autre. Ils étaient à des frères qui sont venus à l'église, autre chose. Ils parlaient. Ils sortent dehors. Ils disent, mais comment tu as écouté la parole de Dieu? L'autre dit, ah, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la parole parce que il parlait de moi comme étant un aigle. Vous connaissez l'histoire? Et l'autre dit, mais non, mais moi, je n'ai pas compris. Il me qualifiait comme un corbeau. L'autre venait pas comment un corbeau. J'ai dit, mais pourtant, c'est la même parole qui sortait au même moment. Amen. Mais l'autre attend comme si lui, il était corbeau. L'autre attend qu'il était un aigle. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Alors, frère Madame, lit ici dans ce message-là. Tu as trouvé, frère? Donc, c'est 17-12-65. Ça doit, c'est pas être conduit, c'est connu. J'ai pas pris cela. J'ai noté juste la référence. Il dit, dans cette situation-là, il parle du micro. Il parle du micro. Il dit ceci. Il dit, voyez ce micro que vous voyez ici,
il le reproduit, il a été créé pour reproduire ma voix. Tu as trouvé? Oui. Bon, je vais vous le dire. Écoutez ici. Il dit, peut-on, comment ces microphones peut-ils donc répercuter ma voix là-bas si cela n'a pas été conçu pour ça? Amen. Ce micro ici a été conçu, a été fabriqué pour faire ressortir la voix. Amen. C'est ça, non? Amen. Cela a été créé pour ça. C'est à dessein. Il dit, voyez-vous, récupérer ma voix si cela n'a pas été conçu pour ça. Je peux crier devant cette planche. Donc, il dit, je peux ôter mon micro ici et je viens ici, je commence à crier. Vous n'aurez pas les mêmes échos de la voix. Dites amen à ça. Pourquoi? Parce que même si j'ai crié devant cette planche ici, non, cette planche ici n'est pas créée, n'est pas fabriquée pour répertorier la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, de toute ma force, et cela ne fera rien. Parce que cela est ordonné, a été fabriqué, créé un microphone. Et si la parole de Dieu est en vous par la prédestination. Dites amen à ça. Amen. On ne devient pas des chrétiens. Nous sommes nés déjà chrétiens. Amen. Dites amen à ça. Nous sommes déjà nés des enfants de Dieu. Avant de venir dans ce monde, nous étions déjà en lui. Amen. 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 Nous étions en lui. La parole de Dieu était déjà en lui. Voilà pourquoi vous n'avez pas de difficulté pour accepter la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas de difficulté pour croire à ce que Dieu dit. À croire la parole de Dieu. Parce que nous sommes une partie de cette parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, voyez, pourquoi? Il dit, parce que le micro ici ne peut pas faire autre chose que pour la raison pour laquelle on l'a créé. Dites amen à ça. Amen. Et il dit ceci, si la parole de Dieu est en vous par la prédestination de Dieu en vous, voyez, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Elles connaissent mon cri. Oui. Dites amen à ça. Oui. Elles ne suivront pas un étranger. Voyez, cela doit premièrement être là. Amen. Là où? En toi. Amen. Dites amen à ça. Tout ce que le Père m'a donné viendront chacun amen, amen. D'eux. Voyez? Amen. 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 Vous ne pouvez pas accepter la parole de Dieu si vous n'appartenez pas à Dieu. Mm-hmm. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez, c'est impossible parce que ce micro a été fait que pour reproduire la voix. Amen. Toi, tu as été créé pour croire la parole de Dieu. Amen. Et si cette parole est en toi, tu ne peux dire que amen à la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Vous ne pouvez pas faire autrement. Même si vous avez trébuché, vous étiez dans le monde, vous avez fait des choses, vous avez. Mais un jour viendra que tu vas retrouver ce que tu étais. Amen. Parce que nous allons comprendre que. Frère Bernard parle de l'aspect de l'homme. L'homme a des aspects. Il y a le physique et il y a le spirituel. Mm-hmm. Et quand Dieu a créé l'homme, le premier homme Dieu l'a créé, esprit. Ah. Vous savez cela? Oui. L'homme, dans Genèse 1er, à partir du 1er chapitre, verset 26 ou 27, la Bible dit que Dieu est esprit. Et quand il créa l'homme, il le créa sous forme de quoi? De l'esprit. Amen. Mais dans Genèse 2, il dit, c'est ton esprit. Dieu a pris maintenant une quoi? Une motte de quoi? De terre. Et il a pris l'homme, esprit, il l'a mis dans cette motte de terre. Dieu a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc nous avons l'homme, frère Bernard, maintenant il va expliquer pour ça, pour montrer que vous êtes que l'homme, la chair ici, le corps, notre corps ici, n'est que poussière. Dieu a pris une botte de quoi? De terre. Et il a mis l'homme esprit dans cette terre. Donc, tu n'es rien fait. Dites amen à ça. Amen. Peu importe les rangs sociaux que nous pouvons occuper, devant Dieu, nous sommes poussière. Amen. Donc, je dis, ce n'est pas nécessaire de s'enorgueillir dans ce monde.
Non. Dites amen à ça. Amen. Parce que nous sommes poussière. Et il a dit, tu es poussière et tu retourneras où? À la poussière. Amen. Mais il y a un aspect qui n'a jamais Alléluia. Commencé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Cet esprit qui est venu de Dieu, amen. Elle est éternelle. Et c'est ce que nous avons vu. S'il est éternel, donc moi je suis éternel. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pas votre corps, non, mais votre âme amen. Est éternel si vous venez de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et qui est Dieu. Mm-hmm. C'est lui qui n'a jamais commencé. Mm-hmm. Dites amen à ça. Mm-hmm. Et qui n'aura jamais de fin. Toutes choses failliront sauf la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous voyons ici a un début et aura une fin. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand vous finissez, vous allez voir que Dieu a commencé à créer des étoiles et des ceci et des cela. Mais arrivé dans l'Apocalypse, vous allez voir que tous ces mêmes, ce qu'il a là, qu'il a commencé là, des étoiles là seront disparaître tous les jours. Vous savez ça? Amen. Tout ce qui a un commencement aura une fin. Amen. Peut-être que tu as commencé un jour à être malade, mais un jour tu seras guéri. Amen. Est-ce que vous êtes amen à ça? Amen. Un jour, vous allez les épreuves vont commencer dans ta vie, mais un jour, tu auras la victoire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Au moins, si vous croyez à celui qui a créé ces mots. Dites amen à ça. Amen. Voilà. Il dit, voilà la prédestination. Ce n'est pas pour des enfants. Hein? Ceux qui me suivent en ligne, sachez-les que c'est vraiment pour des adultes, pour des hommes faits. Amen. Amen. Pour des hommes faits. Envoie-moi ici au paragraphe, là où je pense où les pentecôtistes ont failli. Par du 11-11-55, paragraphe 28. Donc, envoie-moi ça. C'est un enseignement. Ce n'est pas une prédication. Amen. Amen. Donc, prenez le temps, notez, allez vérifier chez vous. Lisez la Bible, étudiez cela. Et vous verrez que ce que nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas nos pensées, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, là où je pense que le patron de failli, c'est ça? Paragraphe 28. Paragraphe 28. Écoutez, je vous ai dit la semaine passée. Et si seulement nous pouvons reculer dans le temps pour retrouver, n'est-ce pas, le moment où Dieu fit son premier homme. N'est-ce pas? Amen. Il le fit, l'homme, à sa propre image. Et quelle était l'image de Dieu? Spirituelle. Parce Amen. Que Jean dit, Dieu est esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu étant un esprit, il devait par conséquent créer un homme esprit. Voilà ce que vous étiez. Amen. Le vrai vous, vous ne l'avez jamais vu. Le vrai moi, je ne me suis jamais vu. C'est mon âme qui dit ça. Vous savez cela? Ça, c'est le corps qui porte Salem. Salem est à l'intérieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le vrai toi, tu ne l'as jamais vu. Tu vois le corps qui cache le vrai toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez-vous? Le mot, il dit, il devait par conséquent créer un homme esprit. Maintenant, le mot qui est utilisé ici au verset 5, c'est prédestination. Prédestiné. Ce n'est pas un mot bien indiqué pour être employé par un évangéliste ou un ministre. Parce que quand vous parlez de prédestiné, vous voyez, cela crée quelque peu la confusion chez les gens. Mm-hmm. Il me donnait un conseil. Même dans des conseils de ministres ou des réunions de ministres, on parle de ça. Ces messages-là, je ne peux pas sortir dans l'arrière, à la gare, commencer à prêcher ça aux nouveaux venus. Il faut dire, donc nous sommes prédestinés, à faire ces choses. Le péché va continuer à faire sa vie. Donc ce n'est pas conseillé d'aller prêcher ça dans la rue. Ce n'est pas un message d'évangélisation. Non, monsieur. Tu ne peux pas dire, les nouveaux ministres, faites attention à ça. Nous pensons que l'Église est grande et a mûri. Voilà pourquoi nous parlons de ça. Dites amen à ça. Amen. Nous croyons qu'à un moment, le bébé doit grandir. Amen. Le bébé ne peut toujours pas rester au lait. À un moment, il faut qu'il prenne de la nourriture solide. Amen. Dites amen à ça. Pour grandir. C'est cela. Il dit, mais ce n'est pas destiné aux petits-enfants, aux bébés. Mm-hmm. Amen. Amen. Parce que quand vous parlez de prédestination, c'est là pour créer une confusion aux gens. Voyez, la prédestination parle, écoutez, renvoie à la préscience. Mm-hmm. Amen. Amen. À la préscience. La préscience, c'est la science de connaître déjà des choses en avance. C'est ce que je vous ai dit au début.
C'est ça la prédestination. Il devait connaître ce que la chose sera. Est-ce que vous avez avec moi? À la préscience. La préscience fait penser à la destination, à la fin de la chose. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? Et la prédestination ramène à la préscience. La préscience rejoint la destination. En d'autres termes, Dieu n'a pas dit maintenant je ferai que cet homme soit ceci ou je ferai que cet autre soit cela. Voyez-vous? Mais pour être Dieu, il devait connaître la fin depuis le commencement. Donc Dieu n'a pas dit bon, toi tu iras là-bas, toi tu iras là-bas. Non. Mais en créant, il voit quel genre d'esprit qui serait dans ses corps. Cet arbre, comment cet arbre pour. Et puis il prédit. Dites bien ça. Il destine la chose. Il dit, c'est là, écoutez, la fin depuis le commencement. Ainsi, en raison de sa préscience, il pouvait dire, ceci arrivera et cela arrivera. Parce qu'il était Dieu et il savait où chaque chose serait placée. Et par conséquent, il pouvait ordonner certaines choses pour certains âges. Vous êtes avec moi? Amen. Croyez-vous cela? Amen. C'est vraiment scripturaire. Amen. C'est-à-dire, c'est vraiment l'écriture. C'est vraiment la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Dieu ne pouvait pas dire, bon, toi là, tu iras en enfer. Mais Dieu a dit que quand il va naître, il y aura un esprit mauvais qui va t'entraîner jusqu'à l'enfer. Il a vu dans l'autre que lui, malgré tout ce qui va se passer, mais son cœur est destiné à la vie. Et alors, il prépare votre chemin. Dans Romains, il dit, Dieu a écrit, il a condamné des gens qui sont déjà condamnés. Dans ce même message dans Jude, là où j'ai lu, il continue, il y a des gens qui sont déjà condamnés. Vous savez cela? C'est comme l'écriture que nous venons de lire tout à l'heure. Par rapport à qui? À Jacob et qui? Et Isaou. Nous venons de lire il n'y a même pas 15-20 minutes. C'est ça, non? Amen. Isaou, né des parents. Des bons parents, disons, des chrétiens. Hein? Jacob et Rebecca, des enfants de Dieu. Mais ils mettent au monde des enfants. Donc, là, Dieu dit que j'ai aimé Jacob et j'ai quoi? J'ai haï Esaü. Sans œuvre, sans que l'enfant ne puisse faire quelque chose. Amen. Sans qu'aucun d'eux ne puisse poser un acte avant qu'il naisse. Dieu a déjà choisit qui il pourrait aider, qui pourra être son représentant. Mais vous allez voir que dans la vie de Jacob, n'est-ce pas? Pardon, oui, de Jacob. Hein? De Jacob. Mais il a fait des choses terribles. Il était un trompeur. Il était un voleur. Il a triché. Dites amen à ça. Il pourrait tromper son frère. Amen. Et son beau-père. Avec un beau père, comme le frère madame dit, avec un beau père, on peut faire semblant d'être un bon enfant, même si on est bien à la maison. Mais devant votre beau père, soyez. On fait même l'hypocrisie. Voyez-vous? Mais Jacob, lui, non. Amen. Il est arrivé même à tromper son beau père. C'est même malgré ça, c'est lui que Dieu avait choisi. C'est pourquoi nous disons que ne soyez pas vite à condamner les enfants de Dieu. Il est à l'enfer. Qui vous a dit ça? C'est vous qui envoyez maintenant les gens en enfer. Ah non, parce qu'il a fait ceci. Ah lui. Mais or que nous voyons qu'il y a aussi des autres qui font le contraire, qui sont bien dans leur manière, qui sont pieux. Nous l'avons lu l'autre jour. Ils marchent comme des saints. Hein? On les appelle Saint-Père, Saint ceci, Saint cela. Et les gens se tiennent sur ça. Mais personne ne peut y aller au ciel. Ni à l'enfer que Dieu l'a envoyé. Non, l'homme lui-même a choisi sa destinée. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et quand on est enfant de Dieu, les problèmes surtout, les péchés, comme Dieu le dit, les péchés, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est ça le péché. Amen.
l'incrédule ne verra jamais Dieu. Amen. L'incrédule ne pourra jamais voir le royaume de Dieu. Amen. Le péché, ce n'est pas voler, ce n'est pas tricher. Peut-être pour un petit peu comprendre. Oh, mais comment ça peut passer? Oui, c'est ça. Le péché, ce n'est pas ces choses. C'est ne pas croire la parole de Dieu. Amen. Et surtout la parole de Dieu que Dieu vous envoie à votre jour. Amen. Beaucoup de Dieu les a visités, ils ont manqué les côtes. Ils étaient distraits. Dieu lui a présenté la parole, et eh bien, il a échappé à cela. Il a négligé cela. C'est ça l'incrédulité. C'est de ne pas croire la parole que Dieu vous envoie à votre jour. Amen. Amen. À votre âge. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit c'est cela. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose là-bas, parce qu'un homme qui a fait quelque chose, il regrettera toujours ce qu'il a fait qui n'était pas juste. Mais la Bible nous dit que malgré ça que vous avez fait, vous le payerez, parce que ce que vous aimez, vous allez faire quoi? Vous allez le repayer. Vous allez payer. Mais cela n'a rien à voir avec votre salut. Dites amen à ça. Amen. Je m'adresse aux adultes. Amen. Vous ne pouvez pas perdre votre salut parce que tu as menti ton frère. Ben, je ne vous dis pas d'aller mentir. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ça peut arriver que vous avez broché quelque part. Vous êtes trébuché quelque part. Mais ce n'est pas ça que vous allez manquer le royaume de Dieu ou le salut. Non. Pour tout ce que nous faisons du mal, si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez faire quoi? Vous allez payer. C'est la loi. Ce que vous semez, vous allez les récolter. Tu as semé le maïs, tu t'attends à récolter les arachides. Ce n'est pas possible. Non. C'est la loi de la nature. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais quant à votre salut, ça, Dieu vous a sauvé une fois pour toutes. Mm-hmm. C'est depuis avant même que tu viennes dans ce monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Sinon, des gens, frère madame nous a montré que quand David a commis des fautes, sa prière n'était pas Seigneur. Seigneur, donne-moi, ramène-moi dans la vie de Dieu, dans comme enfant de Dieu. Non, il priait, Dieu redonne-moi quoi? La joie du salut. Vous allez perdre la joie. Mm-hmm. Et quand on fait quelque chose de faux, vous le savez que vous avez mal agi. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et un enfant de Dieu, il ne se répond. Amen. Même si vous avez tombé. Dites amen à ça. Amen. La Bible dit, ne restez pas dans cet état de tomber. Relève-toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un enfant qui essaie de marcher, eh bien il peut tomber. Si vous dites non, il commence à prier. Non, lève-toi, dis-lui, lève-toi. Dites amen à ça. Amen. Et vous allez voir, il va continuer à marcher. Jusqu'à un jour, il commence à grandir et il devient grand. Il n'aura plus besoin de toutes ces choses. Amen. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Amen. Vous commettez peut-être des fautes parce que vous ne comprenez pas comment Dieu agit. Mais à un moment, un âge adulte, mais je ne peux pas encore faire des choses. Par exemple, vous dire ici, frère, il ne faut pas parler du mal de votre frère. Frère, il faut aimer votre frère. Il faut aimer votre soeur. C'est des choses, des petites choses. Mm-hmm. Dites amen à ça. Mm-hmm. Ah, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. C'est des petites choses. Mm-hmm. Vous êtes assez grand. Maintenant, pour savoir comment vous devrez grandir. Et quand vous êtes enfant, il faut toujours les revenir avec des petites choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Alors, voilà ce qu'est la prédestination. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu va vous envoyer à faire. Hein? Dieu a seulement vu que tu iras à l'enfer. C'est tout. Amen. Amen. Et quand Dieu vous a prédestiné à la vie, peu importe les obstacles que vous allez passer, tu y arriveras à la vie. Amen. Amen. Qui arrivera d'une manière ou d'une autre. Amen. Et nous avons vu en fait l'autre jour que ce n'est pas mes efforts. Non, mais ben, ce n'est pas mes efforts. C'est lui qui a fait ça. Amen. 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 Je ne fais que suivre la voie. Amen. Amen. Je m'identifie à lui. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Alors, il continue ici pour dire, remarquez que c'est cela, n'est-ce pas? Que nous devons donc comprendre. Dans la parole ici, donc, Frère Madame disait que donc, ce n'est pas du lait écrémé, c'est-à-dire ce n'est pas de petites choses, mais c'est de la parole solide. Amen. C'est de la parole solide, c'est de la nourriture solide.
Ceci n'est pas donné à tout le monde. C'est pour l'Église. C'est pour les élus. Dieu faisait donc une alliance montrant en avance comment il avait fait avec Abraham. Nous l'avions vu. Dites amen à ça. Quand Dieu a choisi Abraham, est-ce qu'Abraham connaissait d'abord qu'il y avait un Dieu qui s'appellerait Jéhovah? Non, mais... Hein? Non. Non. Ce Dieu, par sa préscience, Dieu a choisi Abraham. Et il a appelé Abraham de sortir de son village, de son contrée, de l'Irak, de là où il était de Ur. N'est-ce pas? Amen. Pour dire non, quitte ton pays, quitte ton père et ta mère et tous ces choses. Va là où moi je vais t'envoyer. C'est ça. Et Abraham, comme il était destiné à la vie. Et il t'amène à ça. Amen. Abraham ne s'est pas posé la question, mais je vais aller où? Non? Allez, il a dit amen à ça. Et il a accepté de suivre la voie qui lui parlait. C'est pourquoi Jésus a dit une citation que nous venons de dire. Jésus a dit, même les vies entendent quoi? Ma voix. Et ils ne suivront jamais un étranger. Amen. Abraham, donc, il a accepté cet appel sans savoir où il allait. C'est vrai. Mais Dieu savait. Or, Abraham était un païen. Voilà. Ses parents étaient des païens. Il a vécu dans des mensonges et toutes ces choses-là. Mais quand le temps fait, c'est là où Frère Madame dit, faites attention dans votre vie. Les jours où Dieu va vous visiter, vous ne le savez pas. Il t'avait dit ça. On ne le sait pas. Les jours où la parole de Dieu va t'attendre. Et c'est, peut-être c'est ton unique jour que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Abraham a dit oui, il est parti. Et pour montrer que ça ne dépend pas de celui qui veut, n'est-ce pas? Amen. Ni de celui qui court, mais de lui qui fait. Nous venons de le lire avec vous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Abraham, on dit de sortir seul, il prend son père, il prend son neveu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est là où il a dit que ça ne dépend pas des œuvres. Dieu ne nous a pas sauvés parce que je suis bon, non. Parce que j'ai fait de bonnes choses, non. Parce que j'ai fait ceci. Non. Mais quand vous êtes de Dieu, eh bien, Frère Barab le dit aussi, n'est-ce pas? Un figuier ne peut donner que des figues. Amen. Voyez-vous? Si vous êtes de Dieu, eh bien, vous ne pouvez que produire des œuvres de Dieu. Amen. Ça ne serait pas autre chose. Quand vous êtes ici, que Dieu vous donne des mangues, eh bien là, il y a un problème. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a un problème. Parce que la parole de Dieu restera toujours la parole. Et chaque espèce, c'est ça, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Amen. Un chien ne donnera jamais un cochon. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah. Non. C'est des animaux, bien sûr, ce sont des animaux qui sont différents. Les gènes sont différents. Il dit, voyez-vous, c'est cela. Abraham a accepté sans poser de questions, sans se demander, mais je vais aller où? Mais il écoutait la voix. La voix lui disait, tourne à gauche, il tourne à gauche. Tourne à droite, il tourne à droite. Amen. Amen. Avance, aujourd'hui, vous allez dormir ici. Il dort là. C'est ça, Dieu. Et ceux qui sont de Dieu sont conduits par son esprit. Amen. Dites amen à ça. Amen. 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 Celui qui a Dieu, en lui, il est conduit par son esprit, l'esprit de Dieu. Amen. Ce matin, celle qui t'a dit aller à l'église, tu penses que c'est ta chair? Non. Parce que la chair a des désirs quoi? Contraire à l'esprit. Amen. Amen. Non. C'est Dieu. Et beaucoup, Dieu les a parlé ce matin d'aller à l'église, mais ils ne sont pas venus. Dites amen à ça. Amen. Beaucoup de Dieu les a parlé ce matin. Non, mais ils ont négligé. Ils ont dit, non, j'ai beaucoup d'autres choses à faire plus importantes que la parole de Dieu. Oh, vous devez savoir qu'il n'y a pas quelque chose d'important que la parole de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas plus grand que Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu, vous devrez le mettre d'abord en premier. Amen. Tout le reste vient après. Amen. Bon, on va le dire dans quel langue? Jésus parlait simplement, ça ne sert même pas à crier. Amen. Ceux qui ont des oreilles, dites amen à ça, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Frère, vous attendez qu'il y ait un ange descende là
avec des jeunes pour vous dire, arrêtez, fais ci, va à l'église, arrête ça. Non, Dieu parle comme ça simplement. Amen. Est-ce que tu as fait ça? Amen. Dans la simplicité. Ouais. Il y a des gens qui veulent avoir un ange pour qu'ils comprennent que c'est Dieu. Madame dit, mais Dieu vous envoie l'ange à l'église. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu vous envoie un ange à l'église. Il dit, quand votre pasteur est à la chair, ou un du Saint-Esprit, c'est un ange pour vous. Amen. L'ange, ce n'est pas seulement celui que vous allez voir avec des ailes. Non, 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 non. L'ange, c'est un messager. Amen. C'est celui qui vous adresse un message qui vient de quelque part. Il est un ange pour vous. Amen. Et si vous refusez, vous négligez cet ange-là, vous avez négligé Dieu. Amen. Parce que c'est celui qui lui a envoyé que vous avez dit non. Quelqu'un peut dire amen à ça. Toutes circonstances dans notre vie, frère, nous devons les examiner avec réflexion. Amen. Amen. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Amen. Amen. C'est pas un hasard que tu sois là ce matin. C'est pas un hasard que je sois ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Dieu avait pourvu que cela soit ainsi. Amen. Il dit voilà. Donc c'est vraiment un message pour des adultes. Comprenez-moi, comprenez ce que nous sommes en train de dire. Dans le message de la vie éternelle et comment le recevoir, paragraphe 119. Tu peux me dire 31, 12, 59. Frère mauvais. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, c'était là seulement, frère, prenez ça comme une leçon de l'école de dimanche. Comme une leçon que nous sommes en train de vous montrer aux enfants. Et évidemment, la parole de Dieu pour ceux qui veulent l'apprendre. Comme quoi? Comme des enfants. Quand on vient à l'église, je prends ma compréhension. Ma compréhension, je mets de côté. Je vais écouter maintenant ce que Dieu veut me dire. Je prends ce que j'ai, je mets de côté. Dites amen à ça. Je vais écouter maintenant ce que Dieu veut. Parce que Jésus a dit, Dieu a dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu l'as révélé aux enfants, aux hommes qui veulent. C'est-à-dire ceux qui veulent. Parce qu'un enfant, vous pouvez lui enseigner tout. Amen. Amen. Si vous commencez à lui dire, bon, tu ici, nous on mange que le foufou. L'enfant va manger le foufou. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il grandira avec ça. Si vous dites, voilà, ici, non, on se lève à droite et les autres à gauche, il fera ça. Donc, devant Dieu, nous sommes que des enfants. Et il n'y a que des enfants qui comprennent, qui acceptent la parole de Dieu facilement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça le grand péché, l'incrédulité. Amen. Tout ce que vous faites là, frère Branham dit que ce sont des fruits de quoi? Du péché. Amen. Mentir, c'est des fruits parce que vous ne croyez pas. Voilà pourquoi tu mens. Voilà pourquoi tu trompes. Parce que tu ne crois pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as trouvé, frère? Il dit ceci dans ce message, au paragraphe 119. Écoutez très bien. Il dit ceci. Voyez, cela est maintenant même entre les mains des hommes. Méchants et pécheurs voués à l'enfer. La destinée de votre pèlerinage ici sur terre, de votre voyage sur terre, ai-je dit, est placée entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Vous allez comprendre pourquoi il parle de ça. Parce qu'il parle que Dieu vous a destiné à être, par exemple, un grand homme sur cette terre. Mais si vous négligez un peu, le diable peut prendre des bénédictions qui vous ont été destinées par votre négligence. Amen. Amen. Il peut arriver à prendre ça, mais il ne peut pas changer ta destinée éternelle. Amen. Des aspects, je vais vous en parler. Il y a terrestre ou de la chair et spirituel. Parce qu'on vous dit, allez, baillez étoile, ah, on t'a volé l'étoile, on a fait ceci. Vous entendez souvent ces choses. Ils ne peuvent peut-être que nuire votre corps. Tes bénédictions qui t'ont été destinées, les diables peuvent prendre ça. Parce que quand ils négligent ça, nous avons des preuves dans la Bible. Est-ce que vous dites amen à ça? Les diables combattent le bien-être d'un enfant de Dieu. Mais ils ne peuvent pas.
va changer ta destinée éternelle. Vous êtes avec moi? Vous voyez, il dit, vouez la destinée de votre pèlerinage ici sur terre. Ici sur terre. Ici, nous sommes dans une chair de quoi? De chair. Amen. Des difficultés ici. Le monde ici est conduit. Nous sommes conduits ici par quoi? C'est par des lois de ces gens. On vous impose des choses. Et comme nous sommes dans cette terre ici, certaines choses nous les subissons. Aujourd'hui, on vous oblige d'être testé. On nous oblige d'être vacciné. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui arrivent dans notre chair. Mais intérieurement, mon âme est déjà vaccinée. Amen. Dites amen à ça. Je suis déjà vacciné. Nous l'avons vu avec vous ici, avec les vaccins du ciel. Déjà vacciné par quoi? Par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Amen. Mais si Dieu est en nous, quel est cet microbe qui viendra faire quelque chose? Peut-être qu'il peut toucher votre corps, mais pas votre âme. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? C'est ici, ce pèlerinage ici, vous êtes conduit par toutes ces choses ici. Il dit, voyez-vous, mais des hommes méchants et pécheurs, vous feriez mieux de veiller à la destination de votre... Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, il y a une destinée de votre pèlerinage terrestre, mais il parle de destinée de votre quoi? De votre âme. Vous êtes avec moi? Votre âme. Faites attention, veillez à la destination de votre âme. Mm-hmm. Si elle n'est pas engagée vers le ciel et vers Dieu, détournez-vous ce soir. Amen. 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 Dites amen à ça. Mm. Détournez-vous ce soir. Voyez-vous, ce soir, de tout votre cœur et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous y soyez tourné vers Dieu. Amen. Voyez-vous, en effet, votre destinée terrestre est déterminée par des hommes méchants. Vraiment. Et vous dites avec ça. Dans la chair ici, ton voisin, c'est ton ennemi, tu ne le sais même pas. Il te combat ici. La promotion au travail, c'est celui qui est derrière toi qui t'est en train de combattre. Est-ce que vous dites ça? À l'école, c'est ton voisin de bord qui te combat. Partout, nous sommes donc mis à l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Entourés des hommes méchants. Et le diable peut prendre. C'est comme je l'ai dit ici. Nous avons des écritures là-dessus. Dieu t'a béni. Tu pouvais déjà être marié à l'âge de 30 ans, mais à cause de ta négligence, tu arrives à 50 ans. Tu pouvais déjà être patron à 25 ans, mais à cause de méchants qui nous entourent, vous essayez d'arriver peut-être vers 50 ans, 40 ans. Mais cela ne change pas votre destinée de l'âme. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous allez peut-être, les gens vont vous combattre dans la chair, mais vous serez toujours un vainqueur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Par ta négligence, tu peux payer pour tes erreurs. Tu payeras parce que c'est la loi. Dites amen à ça. Amen. Mais tant à ta destinée de ton âme, personne ne peut changer ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Voyez? Et qu'est-ce qu'il continue ici pour dire? Vous soyez tournés vers Dieu. Votre destinée terrestre est déterminée par des hommes méchants, cruels et insensibles, des athées, ceux qui ne croient pas. C'est là la destination de votre corps. Amen. Donc, le corps ici, un enfant de Dieu ne prend pas l'importance plus au corps qu'à son âme. On veut nourrir ce corps. Il faut que ça. Il y a des choses terribles. Hein? Il faut aller dans des restaurants gastronomiques, là où il y a des meilleures choses. Il faut le faire vêtir avec des habits qui vous coûtent cher. Qui ne peut même pas peut-être servir à manger et à nourrir votre corps, mais on ne dépasse pas ce que je vais paraître. Amen. On cherchait toujours une jolie femme qui va frapper, un homme riche et toutes ces choses. C'est ce qu'on cherche pour ce corps qui va périr demain. Est-ce que vous dites ça? Voyez-vous? Mais on ne prend pas, on ne fait pas attention à son âme. Or, le prophète vient nous dire, faites attention à la destinée de votre âme.
Est-ce que vous dites amen ça? Amen. Vous perdez toutes sortes d'esprits. Il dit, voyez-vous, c'est là la destinée de votre corps, de votre corps. Quoi qu'il veille en faire maintenant, cela met fin à votre vie. Voyez, que Dieu soit miséricordieux pour nous. Il dit amen à ça? Amen. Que pensez-vous de cela? Il dit, voyez-vous, mais beaucoup de gens aujourd'hui donnent plus de valeur à leur corps. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Qu'est-ce que je dois manger demain? Comment je dois m'habiller demain? Or, la Bible dit, ceux qui recherchent ces choses-là sont de quoi? De qui? Des païens. Des païens. C'est des païens qui recherchent ces choses. Non. C'est des païens qui recherchent ces choses. Parce que, vous savez, parce que la Bible dit, dans Matthieu, je crois, que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, qui ne travaille ni ne sert, hein? Qui a déjà vu les oiseaux du ciel aller s'aimer, bon, ça c'est pour manger demain. Vous avez déjà vu ça? Non, monsieur. Si Dieu prend soin d'eux, à combien plus forte raison, à toi, fils et fille de Dieu. Amen. Vous pensez que Dieu ne connaît pas tes problèmes? Tu penses que Dieu ne voit pas tes difficultés? Non. C'est là où nous commettons des erreurs, c'est là où nous pensons que bon, comme Dieu ne voit pas, alors moi je vais aller de mon côté, je vais aller chercher ailleurs, et voilà. Et on perd tout nos bénédictions. Le diable vous arrache ça. Parce que vous avez entendu son mensonge. Dites amen à ça. Amen. Vous voyez, Dieu il prend soin des oiseaux du ciel. À combien plus fort dépendra de soin de moi? Hein? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La Bible dit, j'ai vécu, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendier son pain. Amen. Amen. Jamais. Pourquoi vous l'avez dit à la mais tu peux dormir en famille un jour, mais. Dites amen à ça. Amen. Dieu prendra toujours soin. Amen. Ah non, il faut laisser ci ou de cela ou de cela. Non, frère. Donnons plus d'importance à notre vie. Où passera-t-il ton éternité? L'homme a été créé pour vivre éternellement. Parce que lui, il est éternel. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Toi, tu vas le passer où? Bon, mais nous ne croyons pas aussi que l'enfer soit éternel. Vous savez ça? Parce que la Bible dit. Vous allez brûler à l'affaire des milliards et des milliards, des billions, ceci, des années, mais ça ne sera pas éternel. Vous allez anéantir. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que vous savez cela? Poussière, sang, et puis plus rien. Mais y a-t-il une seule sorte de vie éternelle? C'est la vie de Dieu. Toi, tu vas passer cette vie-là de quel côté? Est-ce que vous dites amen à ça? C'est, il ne parle pas de cette chair. Quand il parle de la vie, c'est là, de l'âme. C'est de votre âme que Dieu parle. Il va passer la vie éternelle. Il dit, voyez-vous. Donc, nous remarquons que toutes ces choses, Dieu a déjà, ou il connaît ton sort. Dites amen à ça. Il sait quel jour tu quitteras cette terre. Amen. Amen. Et si vous êtes en Dieu, si Dieu a dit que tu vas vivre 90 ans et que le diable vient s'interposer avant 90 ans, par exemple à 70 ans, à 60 ans, la Bible dit quoi? Le message dit quoi? Qui connaît? Nous l'avons dit d'autres jours. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu fait quoi? Quand il veut, le diable veut t'amener précipitamment dans la mort avant ton jour. L'ange de l'Éternel se met entre toi et la mort. Amen, amen. Dites amen à ça? Amen. Tu vas souffrir dans la chair comme Job. Parce que c'est ce qu'il a dit à Job. Vous connaissez l'histoire? Il a dit oui. Tu veux? Il a dit non, je connais. Il t'aime, il t'aime parce que tu lui as donné beaucoup de choses. Dieu a dit jamais. Même s'il n'a rien. Et la femme de Dieu ne peut pas celui qui vient à l'église parce que Dieu lui a béni. Ce jour-là, il a bien mangé. Hein, le frigo est garni. Alors il va à l'église avec un sourire. Mais quand il n'y a rien, alors il ne va pas à l'église. Alors il ne prie pas. Alors il ne fait pas ceci. Non. Et l'enfant de Dieu, j'aime Dieu qu'il me bénisse ou non. Je l'aimerai toujours. Amen. Je ne l'aime pas parce que j'ai peur d'aller à l'enfer. Non. Est-ce que vous dites amen à ça?
Nous ne venons pas à l'église pour avoir, par peur d'aller en enfer. Non? Le seul que vous connaissez, tu vas vous arriver. Nous venons à l'église parce que nous aimons Dieu. Parce que Dieu est à moi. Tu ne peux pas faire autrement. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure ici. Ce qui est à toi là, si tu viens de Dieu, mais tu ne peux que t'aimer cette parole. Amen. Il n'y a pas autrement. Mais voyez-vous, j'ai compris ici, peut-être on va aller vers... je vous ai dit que c'était un enseignement qui va nous aider un peu à comprendre un peu ce qu'est. Parce que on ne doit pas toujours rester des enfants. Non. Vous devez savoir si tu es un enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé que je ne suis pas un enfant de Dieu. Non. Dans votre famille, les jours où papa n'a rien, où maman n'a pas préparé, tu ne vas pas dire non, il ne m'aime pas, je ne suis pas de cette maison. Non, tu laisseras toujours l'enfant de cette maison. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que Dieu fait, exactement. Mm-hmm. Dieu peut vous punir aussi comme papa peut te punir, maman peut te punir. Est-ce que pour, parce que papa m'a puni, je ne suis plus son enfant? Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, c'est ça la chose. Dieu a tout fait pour que nous puissions. L'un enfant de Dieu, frère Branham, dit, doit comprendre, tu dois connaître ta position. C'est soit tu es un enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Et nous, dans cette église ou dans ces messages, on n'est pas là pour dorloter les gens. Non. Mais on doit montrer chacun sa position. Amen. Chacun lui-même, il pense, il sait, bon, moi je suis de ce côté. Moi je suis de ce côté. Tu le sais. Voilà. Est-ce que vous dites amen ça? Parce que nous, on ne cherche pas de nombres. Aller dorloter des gens pour aller faire ceci, hein, faire des travails sociaux. Je faisais des travails sociaux dans le monde. L'évangile social. Hein? L'évangile social. Oui, l'évangile social. Bon, le camionnette va passer dans chaque maison pour aller ramasser des gens pour aller à l'église. Si le camionnette ne passe pas, les gens ne viennent pas à l'église. Après l'église, on doit distribuer des pains. On doit faire ceci. On doit faire cela. Non, notre devoir à nous, c'est de vous distribuer la parole, la véritable nourriture. Bon, cela n'empêche que si vous avez des problèmes qu'on ne peut pas vous aider, on peut t'aider, on peut toujours aider. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas notre objectif premier. Dites amen à ça. Parce que la Bible dit, l'Église doit prendre soin des siens. N'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas une maison sociale, un bureau d'assistance sociale. Voilà, non. Dieu, il connaît tout ce que, il connaît de quoi nous avons besoin. Vous êtes sûr que Dieu connaît? Oui. Amen. Il sait, il connaît. De quoi tu as besoin, il le sait. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Amen. Dans le message, prenons d'abord la guérison de la fille de Jaïros. Je ne sais pas si tu vas trouver ça. C'est du 27 février 55 au paragraphe 15. Votre attitude vis-à-vis de la parole détermine votre destinée. Amen. Hein? Quand la parole sort, quelle est votre attitude par rapport à la parole? Tu dis quoi dans ton cœur? Vous dites oui, votre attitude. Parce que vous acceptez là où vous niez. Et pendant que la parole est en train de faire quoi? De sortir. Quelle est votre attitude par rapport quand vous entendez ces choses? Il y a des autres qui scellent leur destinée juste là. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète. Quelle est votre attitude? La parole est en train de parler, de sortir. Dans ton cœur, tu es en train de dire, ah bon, ces choses-là, frère, moi je ne crois pas ça. Oui, tu ne crois pas, tu es incrédule, simplement. C'est... Laissez quelqu'un croire. Il y a quelqu'un qui croit. Et tu amènes à ça? Il y a quelqu'un qui dit, oh Seigneur. Même si cette parole te condamne, dans son cœur, il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Amen. J'ai perdu mon temps pour des choses de ce monde, pardonne-moi. Amen. Même si ça te condamne, comment? Il dira amen à quoi? À la parole. Amen. Les autres, qu'ils vont aller arrêter de faire, avec vos bêtises là. Moi,
Quelle est votre attitude vis-à-vis de quoi? De la parole. Est-ce que tu as trouvé? Proverbe. Et dit, voyez-vous, quelle est votre attitude vis-à-vis de la parole? Parce que votre attitude de la parole, donc vis-à-vis de la parole, détermine votre destinée. Il dit, c'est vrai. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Ça dépend de ce qui est en toi, là, dans ton cœur. Comment? C'est 55. Et au paragraphe 15. Et dit, voyez, ça a été fait. C'est-à-dire que ce qui est en nous, c'est ce qui doit se manifester. Amen. Ce que vous pensez, c'est ce qui doit. Et les gens oublient que ce que vous dites dans votre cœur crie au ciel. Amen. Est-ce que vous avez ça? Amen. Ça crie là-bas plus que la voix que je parle au travers des micros ici. Amen. Il dit, voyez-vous, quelle est votre attitude? Veillez à ça. Parce que frère madame dit, la pensée, c'est le champ de quoi? Des batailles. Vous savez cela? Amen. Nous gagnons des batailles dans la pensée et nous perdons des batailles dans la pensée. Le diable vient nous affronter dans la pensée. C'est là qu'il vient vous attaquer. Et quand Dieu va dire ça, lui, il va te dire ça. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision parce que tu as ce qu'on appelle le droit, le libre arbitre. On a posé, un chef indien est venu voir Frère Banam, il lui a posé la question. Il dit, prophète, il a des prédicateurs. J'ai dans mon cœur chaque fois que j'ai des chiens. Il y a un chien noir, il y a un chien blanc. Et ces deux chiens n'arrêtent pas de faire quoi? De se bagarrer. Et le prophète lui pose la question, mais qui gagne? Hein? Qui gagne? Il dit non, celui qui gagne, c'est celui qui est, je nourris plus. Parce qu'en mangeant, il devient fort. Votre âme est nourrie de quelque chose. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous êtes nourri de quelque chose. Quand vous ne faites que lire des livres de bas étage, mais votre âme va se construire sur base de ça. Quand vous ne regardez que des mauvaises choses, votre âme va se nourrir de cela. Amen. Et c'est lui qui va gagner. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'il va dire, oh, hier j'ai regardé le film là-bas, on a monté ça, on a monté ça, on a monté ça. Et la parole, ça ne dit rien. Comme tu ne nourris pas ton âme de la parole, rien. Amen. Donc ça dépend de celui que vous nourrissez plus qui va gagner. Là, dans la pensée, c'est là, dans la pensée, que c'est les champs de bataille. C'est là où se passent tous les combats. Et quand vous avez gagné dans la pensée, vous allez voir que c'est ce qui va arriver dans votre vie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà. Alors, il dit, mais de toute façon, dans ce message, je crois que vous croyez que c'est que les citations que je vous donne là, c'est la parole de Dieu. Amen. Même si tu ne trouves pas pour le moment, mais je vous ai donné des signes dans cette citation. Amen. Donc, votre pensée par rapport à la parole. Amen. Amen. C'est ce que je viens de dire. Votre attitude vis-à-vis de la parole. C'est ce qui va déterminer votre destinée. Ou cela détermine votre destinée. C'est-à-dire que quand vous avez toujours des projets de faire du mal, en fait, tu es déjà destiné aux mauvaises choses. Amen. C'est-à-dire qu'en voyant ça, vos actions du jour montrent ce que tu es, ce que tu seras. Amen. 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 Et si tu es prédestiné à la vie, tu vas voir que ton souci sera toujours de faire du bien. Amen. D'aimer tout le monde. Amen. Amen. De partager avec tout le monde. De croire. D'avoir des soucis par rapport à la parole et non par rapport au monde. Amen. Parce que la Bible dit celui qui a l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans le message ici, la comment on appelle ça? Oui. La résurrection de Lazare. Ça, essaye un peu de voir si tu peux trouver ça. Du 13 août 50. Au paragraphe 12. Je vais arrêter peut-être par là. Parce que là, je voulais vous
vous montrer ce que frère madame est en train de parler ici par rapport à votre attitude, par rapport à ce que vous faites. Tu as trouvé ça? C'est quoi ça? De l'argent? Hein? Agrandis, là, mon papa. Donc, la résurrection de Lazare, du 13 août 50, paragraphe 12. Si vous rejetez la parole, 12. Il dit notre Père Céleste, nous, c'est ça? Oui. Agrandis, mon frère. C'est possible? Notre Père Céleste, mon frère, nous nous sommes donc rassemblés maintenant, cet après-midi, dans un seul but. Oui. Dans un seul but, parler de toi et t'aimer. C'est la prière, c'est une prière. Et tous, nous t'aimons. Nous sommes venus pour affronter ceci, sachant qu'aujourd'hui, peut-être, quelqu'un peut sceller sa destination éternelle à partir du service d'aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Amen. Peut-être quelqu'un peut sceller sa destinée, n'est-ce pas, à partir d'aujourd'hui, de ce service d'aujourd'hui, de par son attitude vis-à-vis de la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Même celle qui m'écoute à la maison à ce moment. Quelle est votre position par rapport à ce que nous sommes en train de parler? Je dis toujours à l'église, frère, même si vous êtes à la maison à cette minute et que vous suivez ces messages, arrêtez de vous mettre debout, aller boire de l'eau, aller prendre, à manger des pommes, des chips et tout ça, pendant que vous êtes en train de suivre. Nous souhaitons-les comme nous sommes à l'église, comme ceux qui sont ici. Ne laissez pas les enfants courir à gauche, à droite, qui vont déranger. Et le diable envoie toujours ces choses pour que vous manquiez quelque chose. Amen. Pendant que tu t'élèves, une situation comme ça sort. Et Dieu, le diable il t'a pris tout ce qu'il voulait te montrer. Donc, même à la maison, frère, faites-les comme si nous sommes au culte. Amen. Mettez les enfants vraiment assis, respectueux, écoutant la parole comme nous le faisons ici. Voyez-vous, c'est très important. Quelle est la position que vous prenez dans votre cœur vis-à-vis de par son attitude vis-à-vis de la parole? Nous savons que personne ne peut venir à une réunion et retourner la même personne. Mm-hmm. Vous savez cela? Amen. Quand nous sortons ici, il n'y a que des choses. Premièrement, qu'est-ce que j'ai tiré de ce que j'ai tout entendu? Pour les uns, ça les marque à vie. Pour les autres, il dit, oh, je m'en fous de ça. C'est des positions. Dites amen à ça. Il dit, maintenant, pour que nous puissions, parce que c'est impossible que tu vas dans une conférence, que tu vas dans une salle de classe, que tu ne puisses pas retenir quelque chose. Tu auras, soit tu as retenu, soit tu n'as rien retenu, ou soit tu as refusé de retenir. Nous sommes passés partout, nous sommes tous passés dans le banc de l'école. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pareil quand nous venons à l'église. Et frère madame disait toujours que quand nous sortons d'ici, je ne sortirai pas tel que je suis entré. Il y a des autres qui sont bénis, amen, qui étaient malades, qui sortent ici guéris. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Guéris complètement. Il y a des gens qui ont dormi avec des problèmes hier. On n'a même pas prié pour lui, on ne lui a pas imposé les mains, mais il va sortir ici le cœur en paix. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. De par son attitude vis-à-vis de la parole, nous savons cela, on ne sortira pas ici. Personne ne peut retourner la même personne comme il est sorti, qu'il est entré ici. Maintenant, il dit, si nous rejetons, amen, si nous rejetons, nous sortirons pire que nous l'étions en entrant. Amen. 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 Et si nous acceptons, nous sortirons meilleurs
Amen. Qu'avant. Car la parole ne retourne pas sans effet. Amen. Elle accomplit ce à quoi elle est destinée. Amen. Dites amen à ça. Amen. La parole de Dieu vient pour vous bénir, pour vous guérir. N'est-ce pas? Pour vous donner la paix. Pour toutes ces choses-là. Et quand vous sortez ici, vous allez expérimenter ça. Amen. Si vous avez dit amen à la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Je termine par cette citation. Dans la vie qui guérit, du 12 juin 56 au paragraphe 24. L'homme a des aspects. Et je termine par là pour aujourd'hui. On va continuer prochainement. Cet après-midi d'ailleurs pour les autres. C'est de quelle heure la fin? Hein? Comment? 13h moins le mois d'écart. Je ne vois pas bien si ma montre s'est arrêtée. Donc, je disais, la vie. Frère, t'as trouvé ça? Je cherche. Donc, la vie qui guérit, du 12 juin 56, 56 au paragraphe 24. Frère, madame dit ceci, l'homme a des aspects. Voyez-vous? L'esprit de l'autre et le corps. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer un peu ici au début. Qu'il y a des choses qui nous arrivent dans notre chair, mais qui n'ont rien à voir avec votre salut. Mm-hmm. Dites amen à ça. Amen. Mais le plus important, nous devons faire attention à ce qui arrive à notre âme. Et votre âme, c'est ce qui est en vous, vos pensées, vos actions, ce que vous faites, c'est par là, parce que Jésus disait qu'on reconnaît l'arbre par quoi? Par ses fruits. Donc, ce que nous faisons, ce que tu penses, c'est comment tu agis par rapport à ça. Parce qu'on peut avoir la volonté de faire quelque chose, mais que vous n'avez pas les moyens de le faire. C'est différent. Vous savez ça? J'ai besoin d'aider une personne qui n'a pas une maison, qui n'a pas un endroit, n'est-ce pas, à dormir. Ça, c'est ce que je sens dans mon cœur. Mais vous pouvez être empêché que, pour aider cette personne-là, je dois avoir de quoi? De l'argent. N'est-ce pas? Mais Dieu voit cette pensée-là. C'est ça qui montre ta destinée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui montre que non, moi, je suis destiné pour le bien. Parce que, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas imiter. Madame dit, n'essayez pas d'imiter quelqu'un. Vous serez un hypocrite. N'essayez pas de faire quelque chose qui ne vient pas du fond de votre cœur. Tu seras un hypocrite. Et c'est ce que Paul confirmait. Que je peux donner, n'est-ce pas, mon corps, même tout ce que je veux, et aller en enfer. Si vous n'avez pas l'amour agapao. Il y a deux sortes d'amour. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a amour agapao et il y a amour filéo. Donc, il y a des gens, je peux faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, mais des fonds du cœur, moi, bon, je ne voulais pas le donner. Je ne voulais pas faire ça. C'est pourquoi il dit que celui qui donne, donne avec son cœur. C'est ça qui compte. Amen. C'est ça qui compte. Vous devez donner du fond de votre cœur. Vous devez mettre du fond de votre cœur. N'imitez pas, vous serez un hypocrite. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un hypocrite. Et maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Quand vous voyez ces choses-là, vous savez ce que vous êtes. Amen. Au jour du tribunal, ça ne sera pas, n'est-ce pas, étrange pour vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. Comme Frère Madame disait qu'une prostituée au jour du jugement, il ne se demandera pas. Non, monsieur. Il sait que c'est sa vie. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Mais ceux qui seront dans le foie, dans l'étonnement, ce sont ceux qui pensaient qu'ils étaient saints, saintes, mais qui étaient dans ces choses. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai terminé ici, bien aimé. On va continuer prochainement. Dans cette citation-là, Frère Branham dit, l'homme a des aspects. Vous voyez, l'esprit et de l'autre, il est physique. Amen. Amen. C'est le céleste, n'est-ce pas? Et le terrestre. Voyez-vous, de l'autre côté, une créature
qui a une destination retournée. Donc, le corps a une destination, n'est-ce pas, de retourner à la poussière. Vous savez cela? Amen. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, si nous ne partons pas dans l'enlèvement aujourd'hui, et que si Dieu vous accorde des années à vivre sur cette terre, un jour, tu retournes où? À la poussière. Dites amen à ça. Amen. Ça, c'est votre aspect physique. Amen. Amen. Mais il y a l'aspect céleste, spirituel. Amen. Amen. Qui est Dieu en nous? Si Dieu est en nous, donc j'ai la vie éternelle. Amen. Parce que lui, il est éternel. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui qui m'a choisi. J'ai fait les cinq bras ici. Fait partie de mon corps. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça fait partie de mon corps. Je suis incomplet sans mon bras. Amen. Or, ce que le bras fait, ce n'est pas le bras qui le fait, c'est le cerveau, c'est la tête. Dites amen à ça. C'est mon cerveau qui commande, voilà. Mais ferme les bras comme ça. Ça ne dépend pas du bras. Ça dépend du cerveau. Ce n'est pas les œuvres. Mais c'est par rapport à ce que lui, il veut. Dites amen à ça. Amen. Je voulais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement pour terminer peut-être. Je vous ai dit que c'était un enseignement. Prenez des crayons, notez, étudiez, asseyez-vous là où vous êtes, étudiez la parole de Dieu. Vous comprendrez beaucoup de choses. Amen. Pour aujourd'hui, on va se limiter là. Donc la prédestination, c'est quelque chose que Dieu, n'est-ce pas, fait. Mais ce n'est pas Dieu qui vous l'envoie, qui vous envoie aller faire le mal, non. Dites amen à ça. Amen. Ah, donc, pour aujourd'hui, nous allons nous mettre là. Nous allons nous lever et nous allons prier. Un petit cœur et chacun va prier par rapport à ce que nous venons d'écouter. Et quand vous serez chez vous, au lieu de peut-être de faire n'importe quoi, asseyez-vous quelque part. Commencez à examiner les Écritures et Dieu qui vous a prédestiné à la vie, il vous amènera à arriver à votre destinée.